C'est bon. Bah, salut les gens. De retour. Alors, c'est la première fois depuis 3 semaines que je remets les pieds dehors dans la serre. La jambe, ça va un petit peu mieux. On est le mercredi 1er février. Petit retour dans la serre en vidéo. Ça fait quand même bien plaisir de pouvoir prendre l'air, bénéficier un peu d'un petit rayon de soleil. Ça manque quand on est quand même vraiment, vraiment obligé d'être enfermé. Mimi, tu peux avancer un petit peu si tu veux pour qu'on me voit de plus près. Petite vidéo. Même si je peux aller dans la serre pour faire une petite vidéo comme ça en mode à l'arrêt, pour dire de faire une vidéo vraiment sur du potager, semis, choses et autres, je pense qu'il va encore falloir une petite semaine, 10 jours pour que je réussisse à récupérer un peu de mon un petit peu de ma jambe, parce que là pour l'instant c'est encore bien raide. Enfin bref. Du coup, on en profite pour faire la petite vidéo. Donc, suivant les annonces que j'avais faites sur la vidéo de début janvier avec les nouveautés pour la chaîne. Cette semaine, petite vidéo en partenariat avec Jardissem. Donc, c'est pas de la communication commerciale, c'est un petit partenariat. Le but étant de pouvoir vous faire gagner. Mimi, j'ai mis un petit micro pour faire le test, voir si ça fonctionne, elle tousse. Donc vous allez l'entendre tousser. C'est en prévision de la future interview justement chez Jardissem, voir si ça fonctionne avec 2 micros. C'est pas une communication commerciale. Moi, j'ai rien à y gagner. Je ne gagne pas d'argent avec cette vidéo. Le but, c'est de vous faire gagner un lot. Je vous mets ici la photo du lot et puis juste après en dessous en détail ce qu'il y a à l'intérieur du lot. Donc il y a une petite terrine de semis, il y a des paquets de graines, il y a des petites étiquettes jaunes pour marquer les semis, il y a un petit semoir aussi pour vous aider à faire des semis, et puis bien sûr il y a une box, donc une grande box avec un kit de graines, les essentiels pour pouvoir aller au potager. Pour cette nouvelle année. Ça va, mademoiselle Chippy? On se balade. Donc, c'était un peu l'idée, c'était d'avoir pouvoir vous offrir un cadeau. Bien sûr, il n'y a qu'un seul lot. Et pour gagner ce lot, forcément, et il faut répondre à une question. Ça serait trop facile sinon. Alors, le but un peu du jeu, donc une question auquel il faut répondre. Je laisse une semaine, donc on est le premier jusqu'au 7 inclus, et puis le 8, donc on sera un mercredi, avec Mimi qui est derrière moi. Si tu veux bien Mimi, tu voudrais bien faire le tirage au sort? Ouais, nickel. Et Mimi, ça sera la main innocente qui fera le tirage au sort, donc mettez votre réponse dans les commentaires de cette vidéo. Avec Mimi, on se paluchera à relever les noms de tout le monde sur des petits papiers. On fera une espèce d'urne, on mettra tous les papiers dedans. Et puis Mimi, avec sa main innocente, elle tirera un nom au sort. Elle tirera le nom du gagnant. Alors, il n'y a pas que moi qui suis content de retourner au jardin. Il y a aussi le petit chien. Parce que le petit chien, il reste avec son père à la maison. Et puis lui, du coup, il n'aime pas aller prendre l'air. Mais là qu'on va dehors, on est bien content de retourner prendre l'air, n'est-ce pas? Allez, hop. Du coup, voilà, donc mettez vos réponses dans les commentaires. Toutes les bonnes réponses, elles seront notées sur un petit papier, comme j'ai dit. Une petite urne et tirage au sort le mercredi 8, dans une semaine. Et puis comme ça, dans la vidéo du vendredi suivant, je vous annoncerai le gagnant du concours. Et puis, on vous expédiera ça pour gagner le lot. Alors la réponse à la question, donc ça tourne autour forcément de la société Jardissem. C'est en quelle année a été fondée la société Jardissem? Donc il y a eu un passage de témoin entre différentes personnes de la famille. Et puis aujourd'hui, ça fait quand même une paire d'années que la société existe. Un petit indice. La réponse se trouve assez facilement sur le site internet de Jardissem.
Du coup, aussi, un outil pour vous aider, je mets dans la description le site internet Jardissem ainsi que leur page Facebook. Vous pouvez aller voir, de temps en temps, il y a des petits conseils de jardinage et puis bah, les nouveautés sur la, les nouveautés pour, le, bah, pour leur entreprise. Une petite chose aussi, si toutefois ça vous intéresse de faire des commandes, il est possible d'aller retirer directement les commandes chez eux, donc c'est à la rue des Vignes, près de Cambrai. Donc pour les gens qui sont pas loin, possibilité d'enlever des commandes sur place pour économiser les frais de port. C'est lourd, Mimi ? Non. Non, ça va ? J'ai l'impression que ça commence à être un petit peu lourd. Allez, je me dépêche. Ouais, je me dépêche. Du coup, pour ceux qui souhaitent faire des commandes, eh ben, c'est le deuxième cadeau bonus. La société nous offre à tous ceux qui veulent commander des graines sur leur site, une remise de 10%, valable pour une durée de 15 jours. Donc la remise sera effective à partir du 6 février, alors je prends mon petit papier pour pas que je dise bêtises, du 6 février au 20 février inclus. Donc pendant toute cette période, si vous commandez sur le site Jardissem et en mettant le code promo que je vais vous donner, 10% sur l'ensemble de votre commande. Alors vous pouvez aussi y trouver d'autres choses, quelques bricoles comme par exemple des petits soirs, des étiquettes comme ce qu'ils offrent, des petites terrines de semis, du plan de filet de pommes de terre en petit conditionnement, ail, oignon, échalote pour ce début de printemps. Une petite remarque qui sort du reste, pour les personnes qui veulent mettre de l'ail de printemps cette année, une petite info, les récoltes ont été catastrophiques à cause de la sécheresse, donc si vous voulez avoir de l'ail pour repiquer dans vos jardins, il faut absolument d'ici 15 jours vous ayez commandé votre ail, parce que derrière il n'y en aura plus du tout. Ça sera très compliqué à partir du mois de mars de trouver de l'ail dans le commerce. Voilà, et donc, qu'est-ce que j'ai oublié, Mimi, le principal, pour que les gens aient la remise de 10%? Ben, j'ai oublié de donner le code promo. Alors le code promo, c'est quoi? C'est mon prénom, Julien, 10, 10 pour 10% de remise. Donc une fois que vous avez fait le choix de vos graines sur le site internet, à l'endroit où on vous demande code promo, vous tapez Julien 10 et comme ça derrière vous aurez automatiquement 10% sur toute votre commande de graines. Voilà. Alors moi de mon côté ça me fait plaisir de pouvoir vous offrir et ce petit cadeau à gagner et cette remise. Donc j'espère que pour vous ce sera la même chose. Alors on a du soleil mais par contre on a du vent. Avec les micros ça va s'entendre. Donc pour moi ça me fait super plaisir de vous offrir ça. C'est un peu le but. Je pense que j'ai rien oublié par rapport à tout ça. Donc je le répète, je mettrai dans la description de la vidéo le lien du site internet et le lien de leur page Facebook. Dans le site internet, si vous voulez voir à quoi ça ressemble pour faire une commande et puis voir un peu le catalogue de graines qui est pas mal avec quelques variétés intéressantes. Et puis moi je vous dis à bientôt. La prochaine vidéo, ça sera sûrement 3 ou 4 trucs à faire en février au potager, pas que dans le nord, mais un peu partout en France. C'est comment bien attaquer la saison dans le potager en fait. Et puis derrière ça, on reprendra, je pense après, ça sera possible pour moi de reprendre le fil normal des vidéos. Du coup, Mimi est en train de mettre le cache-nez sur le micro, ça peut-être. Bon, en même temps, tu dis pas grand-chose, donc ça va. Et puis voilà, donc là-dessus, Mimi, elle vous dit... Tchuss les gens. Tchuss les gens. Moi, je vous dis la même chose. Tchuss les gens. Et à bientôt. Allez, salut. Alors, salut les gens. Un petit oubli. Je vais intégrer ça, je sais pas, au milieu ou à travers la vidéo. Je vais quand même vous montrer un peu ce que ça donne. Parce que finalement, depuis 4-5 jours, là, on a rayon de soleil. Donc ça change pas mal dans la serre. Je pense que c'est Mimi parce que moi avec les béquilles ça va être compliqué. Mimi elle va vous filmer ça, donc les plateaux de semis, un peu l'évolution. Donc les oignons sont en route à germer, les fèves sortent aussi de leur godet. Et puis on va regarder un peu ce que ça donnait les températures cette semaine à l'intérieur de la serre. Je pense que c'est pas mal parce que j'ai prévu 2 pulls. Mais en fait c'est intenable. C'est intenable, voilà, c'est simple. Et puis voilà, et puis on vous montre aussi les semis en pleine terre, c'est la même chose pour l'instant, il n'y a que le cerfeuil qui n'a pas levé. Les poireaux, c'était pas sorti, mais là ça commence à sortir. Donc avec Mimi, on vous montre ça, on essaye de faire en sorte que ça tourne pas trop dans tous les sens.
Et puis voilà, bon visionnage. Alors, nous y voilà. Alors Mimi, je sais pas si tu vas réussir à suivre mon doigt. Alors donc là, ouais, impeccable. Donc ben, on voit les petits semis de bas d'oignons qui commencent à germer dans les petites cases. Donc pour l'instant, il n'y a que l'oignon de Lézignan qui lève. Les oignons jaunes espagnols, c'est un petit peu plus long. Alors, est-ce que tu arrives à montrer à côté, Mimi, maintenant les petits godets de fèves? Ou c'est la même chose, va pas trop vite. Voilà, là on voit, hop, on a un petit godet de fèves. C'est sûr qu'en fait c'était mieux l'ancien, parce que ça, ça bouge tout le temps, il faut faire bien attention. Alors voilà, on va y arriver. Alors, là, les petites fèves, on en voit, il y en a deux qui commencent à sortir. Donc c'est pareil, les petites fèves, c'est pas mal, ça commence. Papa. Alors, vas-y, reprends-le. Vas-y, dis-moi, Mimi. C'est quoi des fèves? Des fèves, c'est un peu comme des gros flageolets. Et vas-y, avance par là, tout doucement, pour pas que ça se coûte trop. Je vais essayer d'avancer en même temps que toi. Allez, vas-y, avance. Bon, là, serre, mais ça là, ça pousse, vas-y. Est-ce que tu arrives à filmer ça en te retournant tout doucement? Quel côté? Ben, de mon côté, hein. Te retourner. Vas-y. Est-ce que tu arrives à voir où on en est au niveau des températures? Est-ce que là, tu arrives à filmer ça? Pour qu'on voit bien la température. Alors, c'est quoi? Tu y arrives? Bah non, en fait, on voit rien quand même. Ouais. Ah. Ouais, là, on voit. On voit? Alors, qu'est-ce qu'on a eu? Max? Oh. Je sais pas. Alors, Mimi, il y a quelqu'un qui a changé. Température maximum sur la semaine, 27,7. Là, en ce moment, il fait 24,5 et la plus basse, moins 5,5, encore un coup. Hop. On met. Alors, on va mettre ça à zéro. Voilà. Oh, Zoé, elle m'appelle, elle se Et puis, on va voir ça plus tard.